Ça claque, hein. Inception. Inception. Arrêtez. mais taisez-vous. On va peut-être virer le gilet jaune au moins pour l'instant. Je veux bien pour la protestation, mais c'est-à-dire qu'en allant à Londres avec ça, on va se faire arrêter. Hein. Déjà que j'ai pas le droit de conduire la voiture, donc si on voit les flics, ah putain, ouais, mais faut pas le dire ça. Il faut pas le dire, non. Faut bien conduire, c'est tout. Ouais. Bon, il est 7h37, on est à la bourre. On va se casser tout de suite. On est trop à la bourre. Bonjour, je vous ai pas dit bonjour. On est trop à la bourre. Je me casse, vite, je me casse. J'arrête de vous parler. On va à Londres aujourd'hui. Donc si vous nous cherchez, on est à Londres. Voilà. Hop, allez, toi tu vas là. Donc voilà, vous avez eu tout le résumé du speech. Hein. Bonjour. Rien, de toute façon. Bonjour pour ma part. On est parti à Londres. On est à la bourre. On est archi à la bourre. C'est parti. Go. Décidément, on va jamais s'améliorer. Go. 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 Allez, go. 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 Allez, putain, ça. Ah, mais ouais, mais j'ai oublié. Attends. Putain, c'est la merde, c'est la merde. On devait emmener quelqu'un avec nous, on est arrivé chez la personne. Déjà on est à la bourre. Déjà on est à la bourre sur l'horaire qu'on avait prévu et puis la personne est pas. Enfin, je viens de l'appeler, elle répond pas. Putain, je vais essayer de rappeler. Bah c'est très bien Renault Mégane mes amis, c'est vraiment très bien parce que c'est pas ma voiture, c'est la voiture de mon frère. Mais franchement Renault Mégane les mecs il y a pas mieux. C'est il joue du violon le mec. Troisième appel. Attention au bout de la cinquième on perd les 1500 euros. Ah c'est dommage, c'est perdu. Et ben ouais, c'est perdu. Et voilà. Dommage, c'était la valise RTL. Vous auriez pu gagner 1500 euros. Oh là, en train de se brosser les dents. Parce que oui, du coup Eurotunnel m'avait envoyé un SMS en me disant ouais bah faut arriver entre 2h et 45 minutes avant pour réguler le trafic. Voilà. Donc du coup on est parti à la bourre. On arrive chez la personne. Elle est pas là. Alors là. Il est 8h10, on a une demi-heure pour aller là-bas, on n'est pas dans les temps du tout. Enfin, on n'est pas dans les temps, mais on pourra peut-être embarquer quand même. Donc, en espérant que Renault, ça supporte les 4500 tours, parce que sinon... Je te rappelle que, enfin, c'est pas très bien, mais je l'ai déjà monté à 170. C'est... Donc, en plus, cette personne habite au milieu des champs, hein, donc ça change pas de notre campagne bouseuse, mais voilà. Ah oui, on est des bouseux, on habite à la campagne. Bah écoutez, on vit bien, hein. On est encore vivant jusqu'à maintenant. C'est vraiment bien. Oh, oh, le retour Père Noël pète. Le retour du P.MP3. Bon, dépêche-toi, Mire, là, sinon on grille ton compteur électrique, là. Changement de plan, la personne s'était rendormie, elle vient de se réveiller. Donc, voilà. On attend la personne, du coup, le paternel. Ah, il y a de la lumière, je vois. Ah, yeah. On est là, lumière, ça y est. Bon, et du coup, on a jugé trop vite la personne, Isabelle. Pardon. Je vais me suicider. Voilà. Il va se jeter dans la merde, il n'y a pas la merde. Je vais me jeter de la fenêtre. Ok, bon, allez, bon, il est 25, on va devoir saquer sa mère. Mais sachez qu'à Eurotunnel, vous pouvez rater votre... Vous pouvez rater la navette à laquelle vous étiez prévu d'embarquer et prendre celle juste après. Il y en a une toutes les demi-heures. S'il y a de la place, ils peuvent vous faire prendre celle juste après. Mais il y a toujours un peu de place, je crois. Et c'est sans frais. Ils vous font pas payer plus. Faut pas que ce soit dans les 2 heures limite, je crois. Ou 24 ouais, il y a quand même une limite. Renseignez-vous. Hein. Je vais pas vous dire tout ça en vidéo, ça serait trop long. Il y a des délais, mais en gros, c'est gratuit. Voilà. En gros, c'est gratuit. Voilà.
Bon, on arrive. Avance, pitié, avance. On arrive. On a gagné du temps. On devait arriver à 9h03 au début, je crois. Ouais, on a gagné 3 minutes. On a gagné 3 minutes, hein, mais on a lancé 130. Hein, donc, là, on tourne. Hein, là, t'es content? Ta gueule, pardon. T'es content d'avoir été à 130? Ok. Les mecs, maintenant, vous voyez, on vous donne ça. On vous donne une réservation et tout à garder, tout le bordel, tu vois. Voilà. À mettre ça là, hein, c'est bien là. Allez. Putain, il est 9h03. Allez, vite, dépêchez-vous. Voilà. Bah, on y est maintenant, c'est bon. Bon, c'est mieux, on a passé tous les contrôles douaniers anglais et français, c'est chaud. C'est chaud. Ils te demandent pourquoi tu vas en Angleterre. Bah, avec le risque d'attentat et tout, ils font attention. C'est chaud. Ils ont pas tort, mais. Ils ont pas tort, c'est la flèche verte. Ici. Et sérieusement, on a pris la voie des véhicules qui devaient faire 1m85. Mais mec, je te jure, ça fait 1m86, t'arraches le toit. T'arraches tout. T'arraches tout, déconne pas les mecs. C'est sale. Faut que t'as compris, faut aller à gauche. Donc nous on est des. Je vois, il y a des trucs marqués sur les écrans. On peut pas y aller, il y a feu rouge. T'as compris, faut aller à gauche. Il a pas quoi. Ma maison. Bon bah voilà, regardez, c'est unique. Allez, je te souhaite bonne chance, tu me rayes pas les rétros. Et on sera bien. Avoir laissé une barrette ou deux, mais j'ai pas de shit, donc c'est bon. T'as laissé une barrette de shit? Non, j'ai pas laissé de barrette de shit. C'est parti pour la traversée avec un retunnel. Rendez-vous dans 35 minutes. Please ensure that your handbrake is on and that your vehicle is in first gear or park. For your safety and comfort, we recommend that you stay with your vehicle. Do not stand or walk between the vehicles during the crossing. As a safety measure, please open sunroofs or vents and keep your windows open halfway throughout the crossing. We would like to remind you that for safety reasons, flash photography and smoking are strictly forbidden on board as they interfere with our fire detection systems. If you require any assistance, you can call a crew member using the call points situated on the side panels of the carriage. Safety instructions are also displayed on the side panels. Démarrer. Please read these instructions carefully. In the unlikely event of an emergency, follow the instructions broadcast over the public address system, shown on the overhead visual display panels, or given by crew members. Should an incident be detected in your carriage, the following alarm will sound. Followed by an evacuation announcement. Okay, on hearing the alarm signal, you should move directly to the next carriage. This is a precautionary measure while the shuttle continues its crossing. Thank you for your attention. D'accord. C'est trop court. On est arrivé. Ouais, sa mère, on est arrivé. C'est trop court. Je suis désolé, c'est trop court. Ça, c'est un ticket pour Londres. La ticket de train pour Londres. Londres. Bon, ça y est, après beaucoup de trains, beaucoup trop de trains, il est midi pile et on est arrivé à Londres, la station Saint-Pancras. Donc là maintenant on va chercher à bouffer. Et puis on ira voir des trucs bien. Cet après-midi. Please keep all your personal belongings with you at all times.
Bonne position pour filmer. Regarde-le. Allez. Le mec, il est comme ça. Ça peut durer longtemps. Où est-ce qu'il est le YouTube Space de Londres? C'est pas une blague. Il est là juste là-bas, on y va à pied. Voilà. Et c'est réglé. Incroyable. Ouais. Mesdames et messieurs, le YouTube Space London se trouve juste ici. Il y a le logo YouTube. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. Attends, un peu, c'est tous ces bâtiments là, tu vois là? C'est de là. Mais regarde! Oh putain! C'est magique ou quoi? Regarde! Ça c'est tout YouTube. Y'a que des connards. Eh, je suis pas sur les écrans. Je suis déçu. Donc du coup là on c'est se génial. Cherche. On se cherche sur les écrans. Mais on y est pas. Moi je me cherche. C'est magnifique ou quoi? Vas-y, regarde. Pourquoi j'aime ça? Là, regarde, et voilà. YouTube. C'est la maison mère. Oh mais c'est ça. Oh mais c'est sale fort à l'intérieur. Mais c'est fermé. C'est fermé. Donc c'est le YouTube Space de Londres. Mais c'est fermé. Oh là là. Putain les gars, franchement, je veux savoir que t'as la grosse enseigne YouTube. Merde. Eh mais c'est un truc YouTube Space et tout, tu crois qu'on peut rentrer? Non. Non, on peut pas. Non, on peut pas, non. Merde. Ah merde, fais chier. Mais voilà, on a trouvé la maison mère. Parce qu'un truc comme ça, il y en a un aussi à Paris, mais... Eh mais, belle baraque. Ah ouais. Belle baraque. Eh ben. C'est une belle baraque. Ah, c'est une belle baraque. Ouais, c'est une belle baraque. Ouais, c'est une belle baraque, SNCF, je vous attends. Bon, le chicken légende qu'on n'a pas en France d'ailleurs, que j'ai pris en hot and spicy, je crois que j'ai fait une connerie. Et les frites et le sprite sa mère. Voilà, bon appétit. Merci McDo. La tribu des jaunes a décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Putain les gars, sans déconner, c'est mon premier café Starbucks du monde. C'est le premier de tout ce que je peux faire. Bah, à goûter, c'est bon. T'es sexy, la classe. J'approuve. Je tire 250, tu crois? Je sais pas. Descends sous là. C'est le bordel, là-bas, non? Sous work. Arrivé. Il fait froid. C'est parti pour le marché de le plus proche. Go! Alors, on passe juste au niveau du Tate Modern. C'est ce bâtiment-là, voilà, avec un truc comme ça. Voilà. Ok, bon, on cherche toujours le marché de Noël qui doit être dans le coin. Vraiment dans le coin, mais. Skate park par là, mais. On trouve pas, en plus, c'est pratique, il pleut. Ouais, c'est trop classe. Ah, putain, avec les grosses tours là-bas. On voit rien, bien sûr. Désespérant cet appareil photo. Putain, mais c'est où sa mère? Vache. Oh, c'est pas aussi haut que la tour Eiffel. Franchement, c'est pas aussi haut que la tour Eiffel. Oh. Si, hein. Oh. Je suis déçu. Ok, normal, il y a des blocs de glace, en plein milieu là comme ça. Normal. Pas de problème, les mecs. Ouais, j'approuve, mais pour la galerie d'art, hein, sûrement, mais... Ok, ouais, ça marche. Pas de problème. Bon, là, c'est quoi, ça? C'est la Tamise, un truc comme ça, là, ou... C'est la Tamise, ça, qu'est-ce que c'est? Bon, au moins, on n'aura pas tout perdu, hein. Pour l'instant, pas de marché de Noël.
Bon, fin de l'opération marché de Noël parce qu'on ne trouve rien. On est juste à l'endroit où il devrait être et il n'y a rien. Il y a des pauvres blocs de glace, il n'y a rien. Donc du coup, on est quand même dans le hall d'entrée du Tate Moderne. Pardon. Voilà, c'est rien mieux. On est dans le hall d'entrée. Oui, il pleut un petit peu. Dans le hall d'entrée du Tate Moderne, la galerie d'art Tate Moderne. Ouais, il y a tout ma mère. Ah non, voilà. Mais on va pas rentrer, hein, c'est payant, bah oui. J'ai tout fric. Je flottais de haut en bas, c'est n'importe quoi. Quoi ? Donc alors, le mec nous a dit marché de Noël, c'est ça son marché de Noël ? Putain, lol. Non mais vas-y, moi j'abandonne, on est pas loin de London Bridge. De toute façon, on peut repartir. Donc bah on va y aller. Je suis dégoûté. On va y aller, hein, parce que non, faudrait, pour bien Londres, c'est bien, mais il faut rester un week-end. Ouais, faut rester. Parce que là, pour une journée, c'est trop de trajet, ouais, c'est chiant. C'est chiant, trop de trajet. Non, voilà, non. Donc écoutez, ma foi, j'ai été ravi de faire ce vlog avec vous quand même. On va faire tout le chemin inverse et on va rentrer. Tu veux faire un chat ? Ouais, je vous souhaite une bonne soirée. Je me sèche et je rentre chez moi parce que c'est n'importe quoi. Bonsoir à vous. Salam. Mais non. Walk back much in King's Cross because I got the hamper sitting, so it's quite up anyway, so I need to go up like two different flights of like stair type things. I've not actually, it's not actually been that stressful at all. I don't know.